coucou mes amis turfistes, j'espère que vous allez bien. Les amis, donc nous on se retrouve pour ce quintet demain, le prix de Lille, un très beau quintet. Mais avant ça, petit clin d'œil à mon ami Nico, un abonné. J'ai relevé le défi. Est-ce qu'il n'est pas beau ce t-shirt? Tu m'as demandé de mettre un t-shirt Dragon Ball Z. Voilà, que pouvait faire un peu tout ce qui est mon ami voilà, Nora, qui peut vous faire un peu tout ce que vous voulez. Un exemple, Dragon Ball Z. J'ai relevé le défi. Je voudrais ton petit commentaire, hein, mon petit Nico. Voilà, donc demain, prix de Lille. Très beau quintet. Attention, ce sera un parcours de vitesse, 2100 mètres. Course européenne, ce sera pour les 6 et plus. 16 partants, comme d'habitude, numéro piège, l'As, 8 et 9. Pourquoi j'ai numéro piège? Parce que quand tu as numéro 1, c'est où tu dois vite démarrer. Sinon, tout l'extérieur va te prendre, ben, tu seras vite dernier. Ici, ben, tu patientes un peu, tu es aussi un peu dernier, donc attention. Et le 8-9, c'est un peu le même cas. C'est où je reprends, où j'accélère. Si j'accélère, je perds déjà un peu d'énergie. Tout sera une question des drivers, la tactique de course. Donc voilà, c'est pour ça que c'est numéro piège. Et bien sûr, tous ceux qui partent en première ligne, hein, ils auront un avantage considérable sur la deuxième ligne. Voilà, les amis, nous on va de suite faire le pronostic. Et on va commencer avec nos deux bases. Et on va mettre ce 7, Phil Collin. La dernière fois, elle a fait le même coup que Gaspard Dobrion. Vous vous rappelez, elle avait course gagnée au dernier tournant, pleine vitesse, elle s'est mise au galop. Je pense qu'elle va, se racheter comme son compagnon du curie Gaspard Dobrion qui a gagné un quintet récemment. Phil Collin, quand je vois ce qu'il y a un peu dans la course... Je serais très déçu qu'elle gagne pas. Donc, c'est une superbe jument. Je crois qu'elle a le meilleur chrono du parcours, je crois. Donc, feu. Deuxième base. On va mettre ce 4. BPB, pensionnaire de Alessandro Gocciadoro. Alors, lui, c'est un entraîneur qui, actuellement, quand il amène ses chevaux à Vincennes, sont quasiment là. Après, bon, il n'a pas non plus une stat de fou à Vincennes. Mais le cheval est en forme, il vient de courir des belles courses, surtout à l'étranger. C'est un cheval de vitesse, il a tiré un très bon numéro, numéro 4. Si l'entraîneur lui donne le bon parcours, il peut donner peut-être chaud à Phil Collin. Donc voilà mes deux bases, 7 et 4. Mon coup de cœur, une jument de cœur pour ceux qui me connaissent, qui fait partie de la Team Choco, le 2, Elite de Giel. Elite de Giel qui a tiré un très bon numéro, comme la dernière fois, elle avait tiré le numéro 2 et elle avait fait 3e. Elle peut nous refaire encore 3e, ça fait 2 fois qu'elle fait 3e, c'est une jument de cœur. Elle manque ce petit plus pour gagner parce qu'elle voilà, va encore tomber avec des jeunes chevaux. Mais Elite de Giel, je pense qu'elle va être encore là. François Lagadeux qui commence à la connaître par cœur. Voilà, je pense qu'il n'y a rien à reprocher. Elle fait encore des belles fins de course. Donc attention, coup de cœur, le 2, Elite de Giel. Derrière, le 3 d'Outsider. On va mettre ce 10, une seule tolle. Qui sera derrière Dexter Château, le petit hic. Mais bon, c'est un cheval qui a très bonne stat à Vincennes. Je crois qu'il a couru 7 fois à Vincennes. Il n'a jamais déçu, toujours là. Donc, il revient ici dans cette course. Voilà. Donc, attention à lui. C'est Adrien Lamy dessus. Il avait l'habitude d'être monté par Gabi Joramini. Je ne comprends pas peut-être le choix. Gabi Joramini qui monte Firello, que Firello avec une chance dans cette course-là. Peut-être ce sera Firello et Gabi Joramini. C'est peut-être un prochain duo la prochaine fois. C'est peut-être pour ça que Gabi Joramini veut le mener. Donc voilà. Donc attention à un seul toll. Il vient ici. 100% de réussite à Vincennes. Il va essayer de faire le 8 sur 8. Deuxième outsider, ce sera ce 11, Marcelo Wibb. Donc Marcelo Wibb, la dernière fois, il n'a pas si mal couru. Voilà. C'est un cheval de vitesse mené par Christophe Martens. C'est un cheval qui faut le bon parcours pour donner sa pleine mesure. Je vais faire confiance au driver. Là aussi, c'est une course aussi à sa portée. Donc attention à lui. Troisième outsider, on va mettre ce 12, Freeman, notre Team Choco, Mika Turf. Donc attention à Freeman. Qui sera en deuxième ligne avec Alexandre Rivard. Je pense que ça le fait du bien qu'il soit en deuxième ligne parce qu'il sera en première ligne, il fallait de suite qu'il démarre. Maintenant, on sait que c'est un cheval plus qui vient de derrière. Donc, il va essayer de laisser un peu devant lutter. Par contre, au dernier tournant, s'il n'est pas loin, il faudra compter avec lui parce qu'il a un point de vitesse acéré qui peut mettre tout le monde d'accord. Donc, attention à Freeman. Mes deux
Outside, mais deux tocards derrière, deux tocards, donc il faut sortir les tocards. Hein. On va mettre ce 16, Equinox. Equinox monté par David Thomain. Attention à lui, c'est un spécialiste du parcours. Spécialiste du parcours. Comme un peu Marcelo Wibb aussi, je crois. Hein. Auparavant, parce que c'est ça que c'est pour ça que j'ai mis aussi Marcelo Wibb. Je crois qu'il a 100% de réussite sur les 2100 mètres. C'est pour ça que je l'avais mis. Donc Equinox, c'est à peu près le même cas. Attention à lui, il a une très bonne stat sur ce parcours. Qu'il soit ferré, déferré ou quoi, c'est pareil. Je crois qu'il est même meilleur ferré. David Thomain, qu'il connaît par cœur. La dernière fois, c'était pas si mal. Voilà. Il est à chaque fois un peu à la porte du quintet, sixième, sixième. Mais il faut savoir qu'il tire chaque fois des mouras en deuxième ligne. Et c'est souvent la note. Donc là, malheureusement, le 16, deuxième ligne, à l'extérieur, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Mais attention, pourquoi pas. On sait que c'est un cheval de vraiment de classe. Donc attention. Et pour finir ma sélection, celui qui peut casser tous vos tickets, comme d'habitude. C'est cet as, hein, Dexter Château. Dexter Château, la dernière fois, qui a fait une surprise à 5e, dans un lot similaire, dans un quintet similaire. D'autant qu'il avait un numéro difficile. Là, il a tiré le numéro as. Attention à lui. Voilà, je sais que son entraîneur Bigeon a dit que s'il tirait un meilleur numéro entre 1 et 5, il était chaud pour aller dans le quintet. Il a tiré le numéro 1. On verra. Attention à Dexter Château. C'est lui qui peut brouiller votre quintet, hein, surtout pas l'écarter. Voilà. Donc, ma sélection en base, 7 et 4. Mon coup de cœur, le 2. Derrière, 3 outsiders, 10, 11 et 12. En termes de tocard, le 16, Equinox, hélas, pardon, Dexter Château. Et oui, vous allez me dire, Mika, mais toi, tu n'aimes pas Bazir encore, tu l'as écarté? Ben oui, ben, j'écarte encore Flapia d'Urzi, on verra bien. Je sais que c'est une course que Jean-Michel Bazir l'a travaillée. Sera en plus déféré, plaqué des intérieurs. Mais voilà, avec ce numéro 9, faut que Bazir démarre. Le cheval démarre assez vite. Attention de ne pas démarrer trop vite pour se tromper au niveau des allures. C'est un cheval de classe. Il faut tenter des trucs, les amis, comme d'habitude. On ne peut pas mettre les 5-6 favoris, hein, sinon hein, ça va faire des cacahuètes. On enlève encore le roi. C'est encore un risque, mais c'est comme ça. Voilà. Conseil de jeu, simple gagnant placé, fine colline. Appuyez fort. Hein. Je pense qu'elle ne va pas sortir des 3. Jouer même la gagne en simple gagnant, il faut appuyer. C'est demain qu'il faut appuyer, les amis, dans le prix de Lille. Sinon, vous allez avoir des regrets. La cote, si elle est à 2 à 3 contre 1, appuyez. Et en termes de 2 sur 4, j'ai envie de faire Phil Collin et mon coup de cœur, ce 2, Elie de Gjelle, toujours là, deux juments. Donc attention, donc voilà, on va faire confiance un peu aux juments demain pour le 2 sur 4. Le 7, Phil Collin avec le 2, Elie de Gjelle, les amis, pour mon conseil de jeu. Moi, comme d'habitude, je vous dis bon pronostic, bon jeu. Partagez la chaîne, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à demain. Adieu!